Le jour s'en rapproche. Alors, toute l'action qu'ils ont construite, elle est même bien, bah, t'aurais pu faire un peu pour les voir. Commenter. On commente. C'est ça qu'il s'agit. Mettez les cœurs, on commente. Dites bonjour, saluez, hein, c'est ça. Dites bonjour, saluez au calme. On va pas les commentaires. On ne voit pas les commentaires. Loxette, comment tu vas? Hello ma grando, hello Loxette, comment on va là-bas? J'espère que tu vas très bien. Tu claques le bisou depuis ta position. Bisous, 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 bisous. On met les cœurs, on met les cœurs, on met les cœurs pour sécuriser la vidéo, s'il vous plaît. Donc, je vais partager d'abord. Je vais partager. Je vais partager. Ça va un peu fatigué après le boulot à Yako. Yako, c'est ça aussi, la fatigue, c'est pas évident. Yako pour la fatigue. Moi aussi, je suis KO, même. Je suis fatiguée aussi. C'est pas évident, mais je suis KO. On est un peu KO, KO, c'est ça qui est le plus important. La fatigue de ça. Jocelyne Zoku, comment va ma chérie? J'espère que ça va. J'espère que tout se passe bien. J'espère que tout se passe bien. Mettez les cœurs pour sécuriser la vidéo. On va faire un petit live. Il faut que ça monte à une centaine de personnes. Et puis on va faire ce live-là. Sinon, on va aller sur l'autre page. La baronne, tranquillement. Mais c'est pas grave. On est déjà ici. On va le faire. On est déjà connecté. On va faire. Mettez les cœurs. Voilà. Mettez les cœurs, les pouces. C'est important. S'il n'y a pas de pouces, s'il n'y a pas de cœur, ça ne peut pas marcher. Caroline Céa, bonsoir ma chérie. Bonsoir, 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 bonsoir. Annick Taquin, comment va? Bisous, bisous là-bas. Bonsoir, 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 bonsoir.
Merci pour les personnes qui mettent les cœurs. Merci, c'est parfait. Voilà, essayez de sécuriser comme ça. Je partage rapidement. C'est la mi-temps. Vous savez, quand il y a les matchs comme ça, c'est pas évident. Ou tu fais ton live le matin, ou après, tu ne peux même plus faire de live parce que jusqu'à après, c'est 21h et tout. Vraiment, il fait tard. C'est compliqué avec les matchs. Ok. Donc, toi, tu as décidé, ça bug, on va laisser. Comment vous allez, mes Amazones? Comment vous allez, mes guerriers? Je vais bien par la grâce de Dieu. J'espère que vous aussi, vous vous portez bien. Ça bug, il veut pas. Ça bug. Facebook, même dans ces deux-là, il est malin. Le malin de ça. Sarah Isabelle Lono. Ça va, merci, Dieu merci. Emma Jo Dibi, épouse Aka. Bonjour, ma chérie. J'arrive même pas à partager. Tellement. Facebook fait malin. J'arrive pas à partager. Très bonne mine. La mine, je suis fatiguée. C'est bonne mine là qui est là. Mais que je suis fatiguée. Merci. Qui a dit très bonne mine? Ah, c'est bon. Nina Béni, merci. Sandy Mekom, laissez la fille d'autrui tranquille. C'est toujours pour les vues. Ma chérie, tu peux quitter sur ma page, s'il te plaît. Voilà. C'est comme ça s'appelle Sandy Mekom là. C'est toujours pour les vues. Elle-même, quand elle a fait sa vidéo, c'était pas pour les vues. Quand on est intelligent, là, on essaie de réfléchir un peu pour manipuler son cerveau un peu pour. Quand elle-même, elle a fait sa vidéo, c'était pas pour les vues. Quand toi-même tu poses des questions là, elle-même là, quand elle a payé un billet d'avion spécialement pour arriver dans un pays d'autrui pour aller faire vidéo là, c'était pas pour les vues. Mettez les cœurs sécurisés la vidéo là, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs sécurisés la vidéo là, s'il vous plaît. Mes Amazones et mes guerriers, je vous salue depuis votre position. Je me présente, je suis la madre Francine Ba. Francine Ba, la chaîne de la joie de vue, ou Francine Ba, la baronne. S'il vous plaît, sécurisez la vidéo là ou partagez dans les groupes, c'est important. On va parler de deux sujets. Le sujet des tickets. Les tickets, plus cette jeune fille qui s'est retrouvée en Côte d'Ivoire, on va parler d'elle. Donc, mettez les cœurs, s'il vous plaît, sécurisez la vidéo là. Vous savez, quand il n'y a pas de cœur, quand il n'y a pas assez de cœur, c'est compliqué. Donc, voilà. Depuis quelque temps, on voit une jeune dame, je ne la connais pas personnellement, je ne sais même pas si c'est une dame qui fait des vidéos, je ne la connais pas, mais quand on se renseigne, on a vu que c'est une TikTokeuse. Voilà. Concentrez-vous, hein. Vous baboussez, tous ceux qui vont venir mettre les mauvais commentaires, vous baboussez ça propre. Vous les baboussez au calme. Et puis vous mettez les cœurs, puis vous partagez. C'est ça qui est ça. Ok. Vous savez, il y a des situations qui se passent sur les réseaux sociaux. Cette jeune dame-là, je ne la connais pas. J'ai vu sa vidéo sur, comment on appelle, Cendrillon d'Afrique. Ma jeune fille Cendrillon d'Afrique qui a fait un collage sur cette vidéo-là. Et j'ai vu la vidéo. J'ai vu la vidéo, j'ai regardé la vidéo et je n'ai pas compris cette vidéo-là. Je me dis, nous sommes des Africains. Voilà une dame aussi algérienne qui a osé aussi faire une vidéo dans ce sens-là. Quand elle-même, elle sait qu'elle ne peut pas être chez elle, dans elle-même son propre pays, oser même critiquer un instant l'Algérienne, la raciste numéro 1. Il dit sécuriser la vidéo là, s'il vous plaît. Elle-même, dans son propre pays, elle n'arrive pas à dénoncer quelque chose qui se trouve dans elle-même, son pays. Elle ose se déplacer avec toute sa masse,
avec toute sa manière, tout son genre, arriver dans un pays étranger qu'elle ne connaît pas ni d'Adam ni d'Ève, oser mettre sa caméra et commencer à traiter ce peuple-là comme un peuple de rien du tout. Attention, eux-mêmes, on leur demande, on ne sait pas exactement où ils se trouvent. S'ils se trouvent entre les Blofroewa, entre les Blacks, entre où exactement? Un peuple perdu au milieu du monde entier, ou même eux-mêmes, ils se cherchent. Ils cherchent leur identité, ils ne trouvent même pas leur identité. On ne sait pas s'ils sont africains, ouais, s'ils sont blofois, ouais, ils sont perdus dans la nature. Eux aussi, ils s'arrêtent aussi pour traiter les autres peuples de moins que rien. Vous-même, si on vous demande, on ne sait même pas où on va vous mettre. On vous jette de part et d'autre. Sécurisez la vidéo là, s'il vous plaît. On vous jette de part et d'autre. On ne sait même pas dans quelle zone on va vous placer. Vous n'êtes ni africain, vous n'êtes ni blackiste, vous n'êtes ni blofouet, vous-même là, vous êtes perdu. Vous aussi, vous allez arriver dans le pays des gens et vous allez l'ouvrir. Heureusement qu'il y a certains. Oui. Heureusement qu'il y a certains Algériens qui n'ont pas gobé ça. C'est pour ça que j'ai aimé. Vous savez, quand on veut critiquer, critiquons ceux qui débordent. Oui, ceux qui débordent, il faut les critiquer. Les Algériens, certains Algériens n'ont pas accepté les dits de leur sœur. Et j'applaudis ça. Et je suis d'accord pour ça. Et j'acclame d'autres qui n'ont pas gobé ça, d'autres qui n'ont pas accepté ça, d'autres qui ont déposé pour dire non, on ne peut pas accepter tes dits. Beaucoup de vidéos ont été faites dans ce sens-là. J'applaudis ces personnes-là. Je les applaudis. Je dis merci à ces Algériens-là qui ont tapé du sur la table. Oui, oui, parce que tout le monde n'est pas sauvage. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs et partagez la vidéo-là. Parce que je ne vois pas de cœur, je ne vois pas de vidéo. Tout le monde n'est pas sauvage. Il y a des gens-là qui arrivent à se déplacer pour aller chez les autres et puis vivre décemment. C'est pas tout le monde. C'est pas des gens qui sont perdus, qui ne connaissent pas la mondialisation, qui ne savent pas la différence. Et qu'il y a certains qui sortent du lot, qui ne sont pas intelligents, qui ne savent pas faire la part des choses, qui ne savent pas faire la différence, qui ne savent pas penser au vivre ensemble, penser la différence. Toi, tu peux être différent de ton ami et tu peux vivre décemment avec cet ami-là. Heureusement qu'il y a d'autres Algériens qui n'ont pas adhéré à ça, qui n'ont pas accepté le comportement de cette dernière. Ce qui a fait que ça soulageait quand même beaucoup d'Ivoiriens, ça soulageait quand même beaucoup d'Africains. Oui, 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 disons quand même la vérité. Il y a des Algériens qui ont fait des vidéos. Il y a certaines personnes qui n'ont pas accepté. Et même cette dame-là, ils l'ont attrapée, ils l'ont rapatriée. Oui, 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 parce qu'elle, c'était du racisme. Elle, c'était du mépris. Elle, c'était du dégoût. Elle, c'était carrément des choses. Comme si elle prenait des Ivoiriens. Comme si elle prenait des Ivoiriens comme des moins que rien. Elle ne s'est pas arrêtée que aux Ivoiriens. Elle a même mis des Camerounais même là-dedans. Quand elle parlait, cette dernière-là, on dit que ce n'est pas sa première fois. Je ne la connais même pas. On dit que ce n'est pas la première fois qu'elle a déjà fait ça pour le Cameroun. Je ne sais pas si c'est vrai. Je n'ai pas suivi ça. Donc, elle, son habitude, c'est de payer des billets d'avion, aller dans les pays des gens et puis regarder de gauche à droite qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bon. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. Ça, là, je ne comprends pas. Au lieu de profiter de quelque chose, tu ne profites pas. Tu arrives quelque part et puis toi-même, tu te fais du mal. Et puis toi-même, tu as un lourd comportement. On peut être sorcier jusqu'à ce point. On peut être mauvais jusqu'à ce point. On peut être méchant jusqu'à ce point. Est-ce que nous, on a demandé de vous ressembler? On a demandé d'être comme chez vous là-bas. Si vous avez été, je ne sais pas comment on appelle, développé. Si vous êtes développé au point qu'on ne peut plus, ça c'est votre problème. Allez-y là-bas, mouf. Développez-vous. Ça c'est votre problème. Ça, c'est votre problème. Allez-y là-bas. Dans votre pays, là, quelqu'un peut s'asseoir, commencer à filmer et dénigrer votre pays. Ça ne peut pas se faire. Apprenez à respecter les gens.
Vous, les gens qui, de l'autre côté, la peine à respecter les gens, c'est important. C'est important, vous vous prenez, vous avez un genre de, une manière de faire comme si vous êtes plus supérieur que les autres. Qui vous a dit ça même? Qui vous a dit ça? L'Algérienne qui a commencé à filmer là-bas, là, filmer et puis traiter les gens de préhistoire, 1900 Tchoué là. Donc, autant de préhistoire là, les gens vivaient comme ça. Les gens vivaient comme ça. Les gens vivaient comme ça. Les temps de préhistoire là, l'Algérienne là, les gens vivaient comme ça. Et aujourd'hui, tu as venu t'asseoir, filmer un pays et puis commencer à les traiter dans ta langue là. Tu sais pas qu'on pouvait décortiquer ça, traduire ça en français? On pouvait traduire ça en français? Tu n'es pas au courant? N'importe quoi. Il y a des gens, mais franchement, hein, ils sont à l'aise comme ça. En tout cas, si on t'a rapatrié, ils t'ont loupé. Si on t'a rapatrié, ils t'ont loupé. Pour cette femme-là même, ne me fait pas mal. Pour l'Algérienne, là, ça me fait mal parce qu'eux-mêmes, là, tellement même qu'ils me sortent de partout, même. C'est-à-dire que ce qu'ils disent là même ne m'attend même pas. Tous les autres bons, là, tellement même eux-là même, là, c'est eux qui pensent qu'ils sont plus supérieurs qu'aux gens. Sinon, il y a des gens comme nous, là. Nous, on les a déjà classés. Tu nous respectes, on te respecte. Tu ne nous respectes pas, on ne te respecte pas aussi. Donc, eux, là, le boing qui est là-bas, là, eux-mêmes, ils savent que c'est du donnant. Le respect, c'est du donnant-donnant. Tu me respectes, je te respecte. Tu ne me respectes pas, je te classe. Donc, pour elle, là-même, ça ne me dit rien. Ce qui me fait mal, là, c'est pour ma soeur camerounaise, là. C'est pour ma soeur camerounaise, là, que moi, j'ai envie de lui parler aujourd'hui. Ma chérie, mettez les cœurs. Sinon, pour l'autre boing, là, eux, là, ils n'ont qu'à moufler là-bas. Ils n'ont qu'à se retrouver en groupe là-bas. Hein, parce que c'est eux-mêmes qui se considèrent. Hein, ils n'ont qu'à se considérer entre eux là-bas. Ils n'ont qu'à aller là-bas. Ils ne sont pas africains. Ils ne sont pas profouets. On ne sait pas où ils sont. On ne sait pas où. Voilà où on va les mettre. Des gens qui sont demi-blofouets. Moitié de blofouets. On ne sait pas. Mélangés. C'est eux là aussi qui vont s'asseoir. Et puis ils vont t'insulter. Puis ça te fait mal. On ne sait pas. Il est blofouet. Il dit que blofouet. Il n'est pas blofouet. Toi-même, tu es au milieu. On te met ici. On te met là. Toi aussi, ta bouche. Mouf. Bouge là-bas. Bref. Ma soeur camerounaise, là. Non, Lily MC Clément. Celle-là aussi. Faut pas rire. Quand vous les voyez là, ils sont où? Ils sont dans quelle zone? Les gens là. Parce qu'on ne peut pas dire aussi les noms sur Facebook. Les gens là. Eux, ils sont où? On les amène ici, ils ont problème. On les amène ici, ils ont problème. Ils sont au milieu comme ça. On dirait, quoi appelle des enfants sans père, ni mère. Hein? Bref. Ma soeur camerounaise, j'ai dit où? Hein, Afrique du Nord, on ne connaît pas. Laisse-les là-bas. Ma soeur camerounaise, j'ai dit, tu as payé ton billet d'avion là pour arriver dans un pays. Elle dit façon, Lily MC, et façon, ils sont guindés. Ils sont d'une manière là même. Là. Oh, pardon, c'est là, pardon, moufle là-bas. Laisse-le là. Tu as payé ton billet d'avion. Je ne sais pas d'où tu viens, si tu viens du Cameroun ou bien de la France ou bien de quelque part. Je ne te connais pas, donc je ne sais pas d'où tu viens. Mais je sais que tu es quitté quelque part et puis tu es arrivé en Côte d'Ivoire. Tu es arrivé en Côte d'Ivoire. Un pays où tu dis non que la population, là, vous appelez, c'est votre belle famille. C'est ce que vous dites, c'est votre belle famille. Toi, tu arrives dans ta belle famille. C'est-à-dire qu'on va prendre la logique des choses. C'est-à-dire que si toi, demain, on t'a épousé et que ton mari te soulève pour t'envoyer dans sa belle famille là-bas, c'est-à-dire que chez tes beaux parents là-bas, c'est-à-dire où il t'a déposé là, s'il t'a déposé même sur un matelas bizarroïde,
comme tu es venu dans un mariage là, au lieu de fermer ta bouche, tu vas filmer la maison même de ta belle-mère, de tes beaux-parents, filmer ça comme ça, venir déposer ça pour dire que je suis allé chez mon mari là-bas là. Voilà comment sa maison est. Chez ses parents, elle est bizarre. Oh. Chez ses parents, elle est comme si. Oh. Chez ses parents, là, c'est comme ça. Tu as filmé ça, venir montrer ça à tes copines. Je prends un exemple. Si vous dites que c'est la belle famille, tu penses que c'est à toi de montrer la Côte d'Ivoire dans son côté négatif d'après toi-même? C'est à toi de le faire. Laisse l'Algérienne là, l'Algérienne qui est en train de faire ça, laisse-la faire. Laisse les autres pays du Maghreb faire ce genre de choses là. Pas toi, en tant que Camerounaise, venir et puis filmer. D'après toi, c'est Coco dit quoi, qui a la terre. Qui t'avait dit même que en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de terre? Qui t'avait dit que même en Côte d'Ivoire, là, il y a des endroits où il n'y a pas de goudron? Qui t'avait dit ça? Tu as appris ça où? Non. Parce que ça, c'est un comportement d'une personne qui est stupide. C'est un comportement d'une personne qui n'est pas intelligente. Parce que tu ne peux pas gober où on va te dire qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de terre. Ce n'est pas possible. Et toi, tu crois jusqu'à ce que même quand tu arrives, même tu es tellement surprise et étonnée. Oui. Parce que pour toi, tu ne peux même pas penser un instant qu'il y a de la terre là-bas. Donc quand tu as vu la terre là-même, c'est comme si tu as vu quelque chose, tu es surprise. Tu es étonnée. Tu es étonnée de dire que wouh, il y a la terre là-bas. Oh. Voilà la terre. Vous n'avez pas dit qu'il n'y a pas la terre. C'est comme si, par exemple, je fais du coq à l'âme dans mes sujets. C'est comme si tu arrives ici, par exemple, en Europe. Et puis tu demandes aux Européens qu'il n'y a pas de la pauvreté ici en Europe. Mais ils seront étonnés. Ils vont te dire, mais comment tu peux même imaginer un instant même que nous, où nous sommes ici, il n'y a pas de pauvres. Ils vont te demander, ils vont dire, mais tu n'es pas intelligent ou quoi? Ce n'est pas parce que nous sommes un pays développé qu'il n'y a pas de la misère. C'est impossible. C'est l'intelligence qui doit réfléchir. C'est le cerveau qui doit marcher. Que dans toute évolution, il y a la pauvreté qui va avec. C'est clair et net. On ne doit pas même parler de... tu ne dois même pas même être étonné. Si, tu ne dois pas être étonné. Ça, c'est quelqu'un qui est stupide qui se comporte comme ça. C'est quelqu'un qui n'est pas intelligent qui se comporte comme ça. Ou bien quelqu'un qui est intelligente là, elle doit savoir que c'est logique même de se retrouver dans des situations où il y a des quartiers, où il y a la terre rouge. Ce qui est normal et ce qui est logique dans tout le monde entier. Prenons à réfléchir un petit peu. Prenons à travailler nos minds. Le cerveau, c'est important. Les neurones. On ne va pas nous traiter de stupides et de bêtes. Tu arrives là-bas dans un pays, tu trouves la terre et tu es. Et pour toi, tu es étonné. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de terre. À Cocody, il n'y a pas de terre. Tu as visité la Côte d'Ivoire. Tu as eu le temps de visiter la Côte d'Ivoire. Tu sais ce qu'on appelle la Côte d'Ivoire? Est-ce que tu connais même ce qu'on appelle Abidjan qui est Abidjan là? Tu as visité. Tu es quitté à Abidjan, tu es arrivé à Bassam, tu es arrivé à Sini, tu as visité la Belle des Milliardaires, tu as visité la Riviera Golf, tu as visité Abidjan. Tu parles de quoi? Mais vous discutez avec qui? Vous êtes là dans les quartiers, vous n'avez pas encore bougé, vous n'avez pas eu encore le temps. Tu arrives même en un mois, tu ne peux pas visiter Abidjan. En un mois, c'est peu pour visiter même Abidjan que tu vois qu'il y a Abidjan. Un mois même est petit. Dans le petit coin, tu es passé, tu t'en. Ma chérie, il faut quitter là-bas. Quand tu as rentré là, il faut revenir spécialement. Et puis, tu as pris le temps pour aller visiter. Tu as fait le tourisme. Tu as allé visiter Abidjan. Tu as allé te promener à Abidjan. Et puis, tu as savoir ce qu'on appelle, j'ai visité. Ce n'est pas dans les brouillards là. Hein. Ma soeur, où me connaît? Des poussières lentes. Ce n'est pas dans les brouillards là. Hein. Là, il y a trop de brouillards. Il y a trop de bruit actuellement à Abidjan. Hein.
brouillard que vous voyez, il y a du monde à Abidjan, et puis vous pensez que c'est là, vous êtes en train de visiter Abidjan, ça c'est rien ça. Vous ne visitez pas Abidjan. Hein? Vous ne visitez pas Abidjan. Hein? C'est comme si quelqu'un qui arrive en France et il voit des clochards, des gens même qui dorment dans des greniers, le gratin de ce gratin, le plus gratin, le plus gratin qui dort dans les greniers, le plus gratin qui dort dehors, on les appelle les clochards. Et tu t'assois et tu demandes à un Français pour lui dire que je savais pas qu'il y avait la pauvreté là. Mais il éclate de rire. Il est étonné. Il s'est dit, mais tu ne peux pas penser à ça. Tu ne peux pas imaginer qu'ici en Europe, il n'y a que des riches. Il y a les endroits ici, des quartiers ici en France, où quand tu marches, tu mets ton sac devant toi. Tu mets ton sac. Par exemple, Barbès. Mais est-ce que Barbès, c'est une zone touristique? C'est quand tu es curieux que tu t'en vas à Barbès. Sinon, quand on dit tu viens en France, là, on te montre les zones touristiques de la France. On ne te dit pas, va te promener à Barbès, va te promener à Clignancourt, va te promener, voilà, ceci. On te donne des directions type pour que tu ailles visiter la France. Pour que quand tu sors de là, on te dit, waouh, la France est jolie, la France est magnifique. Depuis quand les zones touristiques se trouvent au marché d'Adjamé? Depuis quand les zones touristiques se trouvent à Djamé? Celui qui se lève, il a envie d'aller à Djamé, c'est parce qu'il a envie de visiter. C'est des femmes qui vont travailler. J'ai vu dans un commentaire où il y a quelqu'un qui sort un commentaire bidon à la con. Et il y a des gens qui viennent en Côte d'Ivoire. Et vous aussi, habillez-vous bien. Des femmes qui sont allées au marché chercher leur pain quotidien. Elles doivent s'habiller décemment parce qu'il y a des étrangers, mais elles sont dans leur boulot. Si elles ne vont pas travailler, elles mangent quoi? Que habillez-vous décemment, il y a des étrangers. Les étrangers là, ils ne connaissent pas les zones touristiques. Ils ne connaissent pas les zones touristiques de Côte d'Ivoire. C'est à Djamé qu'il y a une zone touristique. Hein? Celui qui va à Djamé, il a envie de se promener, voir du bruit. C'est son problème. Sabine Mira Binaté, comment tu vas? Bisous, chérie. C'est son problème. Mais vous vous levez. Vous laissez les zones touristiques. Les zones qui ressemblent à je ne sais pas quoi. Les zones rares du monde entier. Oui. C'est ça qui est le vrai point. Vous allez dans les zones populaires de la Côte d'Ivoire. Et vous dites que non. On est arrivé en Côte d'Ivoire. Ça fait partie de la Côte d'Ivoire 7. On ne jette pas. Ça fait partie de la Côte d'Ivoire 7. On ne jette pas cette partie-là de la Côte d'Ivoire. Mais c'est des zones populaires de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas des zones touristiques. Un étranger qui vient voir vraiment la Côte d'Ivoire profonde, ce n'est pas à Djamé, il va les filmer. Ce n'est pas à Djamé, il va les filmer pour dire que voilà, c'est la Côte d'Ivoire. Depuis quand dans le monde entier ici où je parle, les gens montrent les villes populaires pour dire que non, c'est pour montrer la vitrine de leur pays. Depuis quand? Jamais de la vie. Jamais de la vie, ils montrent ça. Jamais. Quand tu prends le tourisme français, vous avez une fois vu Barbès être dedans? Vous avez une fois vu ça dedans? Jamais. On te montre les vrais endroits. Tu vas à la Tour Eiffel, tu vas à Arche de Triomphe, tu vas ceci, les dangereux coins touristiques. Quand tu quittes là-bas, tu dis, oh, la France est magnifique, la France est jolie, la France est belle. Oh, la France ici, non, je dois venir tous les jours. Oh, que c'est chic, oh, que c'est intéressant. Le plus beau, la plus belle avenue du monde entier. Elle est Champs-Élysées. Ça brille comme ça, mion. Depuis quand tu viens en France, on t'envoie à la porte de la chapelle. Depuis quand? À la porte de la chapelle où il y a les immigrants qui sont versés par terre.
zouzou wowo, zouzou wowo, zouzou wowo, zouzou wowo. Où on t'envoie ça? Jean, on va t'envoyer ça. On les a poussés loin là-bas, déposés dans un coin là-bas, barricadés, mais faut pas, on va les voir même qu'ils sont versés là-bas. Ils sont zzz. Quand toi-même tu pars, ton cœur est coupé. Ouh, ça là c'est en France. Ça là c'est en France. Le touriste même, il arrive même dans ce pays là, il les voit même pas si ça là ça existe. Si ça là ça existe, ils sont cachés quelque part derrière un gloglo là-bas d'une manière. C'est quand tu connais le gloglo que tu t'en vas dire qu'il y a quelqu'un qui connaît, qui dit il y a un endroit ici. Oh. Sinon, ils sont parqués quelque part dans un endroit bizarroïde. Quand tu arrives là-bas, tu attrapes ta tête comme ça. Ouh, c'est quel côté de France qui est là? Tu attrapes ton Congo comme ça, tu attrapes comme ça. Dis quand tu as la chair de coco. Dis quand ton corps tremble. Vous parlez de quoi? Toi, tu es notre soeur africaine. Les Européens montrent leur pays joli. Les Européens montrent les beaux endroits de leur pays en touriste. Toi, tu es notre soeur africaine. Tu vas arriver en Côte d'Ivoire. Au lieu d'aller de dire à tes frères ivoiriens, ils vont t'emmener à la Riviera Golf. Où tu as marché sur la route. Pardon, envoyer la fille à la Riviera Golf. Envoyer au golf hôtel, à l'envoyer à la Riviera Golf, dans la rue de la Riviera Golf, la Riviera 1, la Riviera 2, la Riviera 3, envoyer là-bas, elle va se promener, envoyer dans les grandes villes. Oui, Lily MC Clément, chair de coco, tu as la chair de coco, envoyer là-bas. Si tu veux faire du tourisme en Côte d'Ivoire, demande. On va t'envoyer à Belle des milliardaires. On va t'envoyer chose, comment on appelle ça. On va t'envoyer vers Bassam là-bas. On va t'envoyer à Sini. Hein. On va t'envoyer à Grand Laou. Hein. On va t'envoyer à Sassandra. On va t'envoyer dans le coin. Si tu veux faire visiter là, faut dire on t'envoie. Hein. Si tu n'es pas venu regarder ballon là, que toi tu es venu t'asseoir pour venir t'asseoir filmer la route. Coco dit. Ça, on n'a pas dit que c'est Coco dit. Tu es surprise de la terre. Toi, tu veux comparer la poussière du Cameroun à la poussière de Côte d'Ivoire. Quand tu as vu la terre, là, est-ce que ça, c'est la poussière? Ça, c'est la terre. Ça n'a rien à voir avec la poussière. Voilà deux choses. Là, mais si tu portes un t-shirt, tu as rentré chez toi, le t-shirt est blanc. Est-ce que ce coin-là ressemble à la poussière du Cameroun? Tu vois pas qu'il y a une différence entre poussière et la terre? Toi-même, quand tu vois là, c'est poussière, tu as vu bien, c'est la terre. Un chemin où il y a la terre, où il y a la poussière, c'est la même chose. C'est la même chose. Descends là-bas avec un t-shirt blanc. Doro Coco, on ne pleure pas là. Mais je ne pleure pas. Je ne pleure pas parce que je vais avec des pincettes. Doro Coco, je vais avec des pincettes. Oui. Parce que ce que vous avez commencé là, vous êtes en Côte d'Ivoire là-bas. J'ai vu une influenceuse qui a commencé à pleurer que vous êtes au stade là-bas là. Les Ivoiriens ne vous ont pas supporté. Ils ont supporté la Guinée. Mais les Ivoiriens ne peuvent pas vous supporter pour laisser la Guinée. Ce qu'il faut savoir, l'Ivoirien ne peut jamais supporter le Cameroun et laisser la Guinée. C'est pas possible. La Guinée, c'est la famille. Quand on dit famille, vous êtes la belle famille. Mais la Guinée, c'est la famille. Donc, je suis désolé de ce qui s'est passé au stade. Mais l'Ivoirien ne peut même pas, même dans ses rêves, même s'il dort et puis on le réveille, il ne peut pas supporter le Cameroun pour laisser la Guinée. Acceptez la logique. On parle de l'Afrique de l'Ouest. Je suis désolé. Les voisins premiers de la Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas en train de pleurer. C'est vous qui êtes en train de pleurer hier. Vous étiez en train de pleurer pour dire non que les Ivoiriens ne vous ont pas supporté. Et que les Ivoiriens ont supporté la Guinée et qu'ils vous ont laissé. Pourquoi vous vous plaignez de quelque chose qui est logique? Vous plaignez de ça pourquoi? Vous vous plaignez de ça pourquoi? Non. Ne nous demande. Il ne faut pas vous allez nous demander l'impossible.
Faut pas vous allez nous demander l'impossible. Vous nous demandez l'impossible. Genre, vous allez trop jouer à la Guinée, jouer à le Mali, jouer à Burkina Faso, jouer à Togo, jouer à Nigeria, jouer à le Bénin, et puis jouer à le Ghana. Et puis nous, on n'a qu'à vous supporter quoi. De quoi parle le test? Même si on se titille, même si on s'aime, même si on fait tout, vous n'allez pas nous demander l'impossible, c'est impossible. C'est impossible. Ne demandez pas ce qu'on ne peut pas demander. Je suis désolé. Donc les Ivoiriens, tant que le Cameroun va jouer avec nos frères limitrophes, nos frères là, on ne va que les supporter. Oui, 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 oui. On ne va que supporter. Oui, 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 je suis désolé. Hey, on vous, je vous aime. Vous êtes la belle famille. Mais dans la belle famille, il y a des frères et sœurs. Il y a des frères et sœurs. Si le Cameroun est en train de jouer le Maghreb, là, il n'y a pas photo. On ne va que supporter le Cameroun. Oui, 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 oui. Les choses sont claires. Il y a des équipes là-bas. Il y a des équipes actuellement. Dans la Coupe d'Afrique, là, on ne peut pas les jeter pour supporter le Cameroun. Même si c'est entre nous deux, là, on est en train de se titiller, là. Mais il y a des choses, on ne peut pas. On n'est qu'à laisser ça à côté, pardonner. Si c'est à cause de ça, là, on va faire guerre, là, on n'est qu'à faire guerre. Moi, je vous dis ça clair, clair. Moi, je vous dis ça clair, clair. Oui, oui, oui. Mais par contre, si le continent est en train de jouer avec un pays maghrébin, oui, 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 on doit supporter le continent. On doit supporter le continent. Maintenant, si toi, tu te retrouves, par exemple, avec tes deux frères, Mali, Burkina, en train de jouer, tu choisis personne, tu es assis au milieu, douan, tu dis que le meilleur gagne. Oui, oui, oui. Parce que tes deux frères sont en train de jouer. Tu ne prends pas de parti. Mais par contre, la partie où on dit Côte d'Ivoire joue là, là eux-mêmes, ils sont conscients que tu as supporté la Côte d'Ivoire. Ben, c'est ton pays. Ça, on ne peut pas te dire pourquoi tu supportes la Côte d'Ivoire. C'est ton pays. C'est ton pays. Donc, vous voulez qu'on vous regarde fa dans les yeux pour vous mentir. Moi, je vous dis la vérité. Tellement vous... En fait, il y a des gens qui disent, la Côte d'Ivoire, là, que la belle famille, ce n'est pas la belle famille. Ils ne nous ont pas supportés hier. Ils ne nous aiment pas. Ce n'est pas la belle famille. Donc, vous voulez, vous êtes persuadés que on doit vous supporter, laisser la Guinée Conakry, les Bangoura, laisser pour supporter la Guinée. Supporter la Guinée, supporter le Cameroun, déposer la Guinée, c'est impossible. Impossible. Inépensable. Inéréfléchissable. Inimaginable. Inincompréhensible. Hey! Vous nous demandez l'impossible. Hey! Hey! Vous parlez de quoi? Hey, qui ça? Ange Rachel Kona, la madre, elle a le même nom que toi, hein? Mariole Francine. Ah, elle s'appelle Francine. C'est pas pour impossible, non, non. Elle a le même nom que toi. Elle s'appelle Francine. Ils ont signalé, hein? Ils ont signalé, j'ai coupé et c'est revenu. Ils ont signalé, oh. Pourquoi la télé aussi a coupé? Ils ont signalé, ils ont coupé. Vous mettez pas les cœurs. Vous mettez pas les cœurs. Voilà, ils ont coupé. Ils ont signalé pour. C'est la vérité que je dis, hein. La vérité rougit les yeux, mais ça ne les casse pas. Hein? C'est la vérité que je vous dis. C'est la vérité que je passe. Si on veut vous suivre. Si on veut vous suivre, si on veut penser, elle s'appelle Francine Lama de Gouéni. Même si elle s'appelle Francine, je ne suis pas d'accord. Le direct est bloqué. Ressort puis revient. Ressort, revient. Ils ont signalé.
Ils sont en train de pleurer. On ne pleure pas. Ils ont signalé. Ils ont signalé, reçoit puis revient. Hein? On ne pleure pas. Vous avez commencé une bêtise depuis fort longtemps, maintenant là. Les gens ont gardé ça comme riz couché. Ils ont gardé ça comme riz couché. Vous attendez ça? Vous attendez ça droit? Vous êtes arrivé en Côte d'Ivoire, on n'a rien dit. On accepte parce qu'on dit non que c'est la belle famille. On vous a accueilli dignement. Mais c'est vous qui faites beaucoup de bruit là-bas en Côte d'Ivoire comme ça. Vous faites beaucoup de bruit. C'est vous qui savez que c'est comme si. Il n'y a pas Tico au fait. C'est le Cameroun comme ça. André, quelqu'un arrive dans ton pays et puis lui-même veut te gouverner pour te déposer. Quelqu'un arrive dans ton pays, il est à l'aise. C'est pas ça qui est le problème. Mais il est à l'aise jusqu'à... Lui-même vient monter sur ta tête pour aller cueillir, je ne sais pas quoi. Il n'y a pas Tiko, il n'y a pas Tiko, c'est pas comme si, il n'y a pas ceci, c'est là, Tiko c'est comme si, on regarde ici, c'est Cameroun qui fait vidéo, on regarde là, Cameroun fille, Cameroun fou, Cameroun bou, il n'y a pas Tiko, on dirait même, ils veulent organiser même la canne là même pour nous donner. Vous êtes agité comme ça, il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Les cœurs, s'il vous plaît, les cœurs. Lily MC Club, on ne peut pas me faire rire. Ah, étranger nouveau modèle, même. MR Révélation Divine. Aïe! Oh! Ça dit que nous-mêmes, nos voisins propres, là, c'est le seul pays. Ça dit, je suis assis droit et puis je suis dépassé. Nous-mêmes, nos voisins propres, là, vous les avez écrasés comme ça, mis en pion, pion pour déposer. Vous avez écrasé les autres pays, là, on ne les voit même pas. On ne sait même pas s'ils sont là, ouah. S'ils sont vitrines, ouah. S'ils font quoi, ouah. Ça dit impossible, les Burkinabés qui sont remplis, là. Les Burkinabés qui sont remplis en Côte d'Ivoire, là-bas. Les Camerounais sont venus éteindre les Burkinabés là comme ça, puyon. C'est-à-dire qu'ils ont déposé les Burkinabés sont à côté. Les Maliens sont à côté. Les Sénégalais sont à côté. Cameroun est devenu vont pour nous donner là-bas. La belle famille. Vous avez épousé combien de Camerounais, d'Ivoiriens depuis on ne peut pas respirer. Vous avez épousé combien d'Ivoiriens? La belle famille. Ya, maman. Belle famille aussi, souvent c'est lourd, hein. Hey! Nous-mêmes, on est assis et puis on vous regarde. On est assis et puis on vous regarde. L'Ivoirien même est dépassé. On est assis par terre. Lili, ils sont venus s'imposer un coup. Dans nous-mêmes, nos cannes. Ils veulent nous pousser même pour dire que non, ils ont organisé Cannes chez eux là-bas. Ils ne sont pas encore satisfaits. Ils ne sont pas encore rassasiés. C'est-à-dire qu'ils vont arriver dans tous les pays et puis ils vont organiser. Invasion. Annick Taquin, invasion. Tu vois les cas même, tu es assis par terre. Ya, maman. Hey! On peut envahir un pays comme ça? Doro Coco dit que c'est pour le meilleur, pour le pire. C'est quel genre d'amour? Vers la fin, il y a divorce. Quand il y a étouffement, il y a divorce. C'est quel meilleur pour le pire, ça? Yeah! Hey! On dirait quand tu vois le Cameroun, comme s'ils doivent chasser tous les pays qui sont là, puis ils doivent s'installer. Comme s'ils doivent quitter. Pays, l'Afrique centrale, pour venir s'asseoir, on doit donner place à côté de la Côte d'Ivoire. On doit donner place à côté de la Côte d'Ivoire, forcée. Et puis les deux vont s'arrêter là. Aïe. Non. Arriver un moment là. Le divorce va être prononcé. Hein? Ah oui. On s'aime bien, mais on se préfère. Hein? Faut le savoir.
Ce que vous ne pouvez pas faire chez vous là-bas, vous ne pouvez pas dénoncer. On n'est qu'à parler peu, on n'est qu'à parler vrai. Parlons peu, parlons vrai. Chez vous là-bas, vous ne pouvez pas dénoncer. Ce que vous faites aux Ivoiriens là, et puis nous on accepte là, vous ne pouvez pas faire ça chez vous là-bas. C'est impossible. Où on est trop fait plaisir. Mariage forcé, on va divorcer, bien. C'est quoi ça? Vous ne pouvez pas faire ça là-bas, c'est impossible. Vous allez passer où pour dénoncer? Vous allez passer devant qui pour dénoncer? Nous, on s'élève, et puis on parle. Et puis, les autorités s'élèvent, ils prennent des dispositions. Ce n'est pas à discuter. Vous êtes là, non, les Ivoiriens. L'autorité de la Côte d'Ivoire sait très bien que même s'ils ont envie de bouffer dans le pays là, on doit faire pour que les Ivoiriens voient que leur pays est en train de briller. Même s'ils barrent un peu, ils doivent nous blaguer en faisant des touches. Parce que l'Ivoirien aime quelque chose qui est joli, quelque chose qui est zo. Il nous a gâtés. L'Ivoirien qui est Ivoirien là, il aime quelque chose qui est propre, quelque chose qui est zo. Même si tu veux bras, même si tu veux voler un peu dedans, tu dois montrer, il voit que c'est joli, et puis tu es en train de voler. Mais lui, il voit que ce que tu es en train de faire là, c'est zo. L'Ivoirien comme ça. Voilà. Donc, ce qui se passe en Côte d'Ivoire là, les autorités doivent nous blaguer. Ils doivent arranger le pays. Notre coin est loin. Même si on vole, mais on sait que le pays avance. Mais le pays va avancer, et puis, en fait, tu voles, et puis on ne voit rien, quoi. Ivoirien, tu voles, et puis nous, on ne voit rien. C'est quand on te montre dans le pays là. Ou parce qu'on ne parle pas. On ne parle pas parce que on voit aussi que c'est là. On voit aussi que c'est joli. On voit aussi que c'est là. Donc, quelque chose qui est visiblement, on voit. On se plaint pourquoi. Mais il y a d'autres pays là. Il y a d'autres là. Ils bouffent. La population aussi ne voit rien. Et puis ils bouffent. Et puis tu es assis là. Et puis tu n'y as rien. Et puis ils bouffent. Et puis pique-nique. C'est chez vous là-bas. Dénoncez aussi. Parlez aussi. Le président va vous écouter. Il va faire aussi. Nous, pour nous, là, il nous écoute. Myriam Berouel, comment tu vas? Nous, là, il nous écoute. Quand on parle un peu là, quand on crie là, il nous écoute. Et puis il dit, ah, mes enfants là sont en train de parler. Ils ne sont pas contents. Et puis, il fait. Regarde là. Regarde là. On a parlé de biais. Ils sont en train de trouver solution du biais. C'est ça le vrai point. Ils sont en train de trouver solution du biais. Vous n'avez pas remarqué, quand les réseaux sociaux bougent, l'État n'aime pas ça. L'État n'aime pas quand il y a du bruit dans les réseaux sociaux. C'est son totem. La force tranquille, comment tu vas? Je te claque le bisou depuis ta position. Ils n'aiment pas ça. Quand on commence à crier, allez, tout de suite, ils exécutent. Voilà, fait des biais. Biais même que eux-mêmes, ils savent où ça se trouve. Oui. Ils savent où se trouvent les biais. C'est pas nous, on a créé biais là. C'est eux qui ont fabriqué biais. Ils n'ont qu'à aller chercher où biais là se trouve. Quand on a la madre hier, comme ça, dans mon live, j'étais en train de faire mon live, douan, je vois un commentaire là-bas. Dans mon live, la madre, tu parles pas à faire des biais là. De parler des biais, que quoi? Mettez les cœurs, on va aller au biais. Je vais revenir sur ma soeur là. Que la madre, tu parles pas de biais d'entrée. Je connais qui a fabriqué ça. Qui a fabriqué les biais? Je suis au courant. Vous-même, vous êtes sur le territoire là-bas. Vous savez pas qui a fabriqué. Ce sont eux qui ont les biais. Les propriétaires des biais là, c'est eux qui ont biais. Ils ont mis biais au créfeuillant. Ils ont déposé les biais là-bas. De venir parler de quel biais. Eux-mêmes, ils ont pris les biais. Ils ont bras ça. Ils ont pris biais, les hommes bras. Ils ont bras le biais là au créfeuillant. Ils ont voulu voir clair dans ce qui va se passer. Parce qu'ils ont entendu que Ténik Banani est à côté. Vous voulez parler à qui? Ils ont bras les biais, ils ont couru ça. Comment biais? On dit qu'il y a biais. Biais est fini et puis les stades sont vides. Comme on ne peut pas gérer combien de 1000 personnes en stade là, on va gérer moitié. Ils ont bras ça.
Bah, ils ont oh là que pas on dit tenir banani à côté. C'est dans ma bouche, vous allez venir manger voir piment. Vous savez pas où bien là, je trouve bien là. suivez mon regard. Il court ça pas. Parce que tout le monde sort. Oh, elle a bon d'une manière. Vous n'êtes pas au courant de ça. Vous savez pas ça. C'est dans ma bouche, vous voulez mettre un piment là. C'est dans ma bouche, vous voulez mettre un piment. C'est que vous-même, vous savez. Vous voyez. Et puis, suivez du regard. On suit votre regard. Suivez du regard. Vous-même, on vous a pas dit que le voisinage, voisine. Ah, d'accord. Ah, ok, d'accord. La sécurité s'impose. Les gens ont fabriqué les zones de villages de Cannes. On peut gérer cela, les villages de Cannes. Mais par contre, le stade B rempli d'une manière, ne peut pas trop gérer le truc. Oh, donc, les biais au bras. Et la madre, tu as toujours su à faire du Canada. Doucement, ma belle. Ah, celui qui a pris balle. Oh, cher. On a dit non de quelqu'un. Mais j'ai dit, suivez mon regard. Ah! On dit plus de combien de mille personnes va bouer le coin. Qui va la gérer tout cela? C'est la CAF qui. Il y a un qui dit c'est la CAF qui gère les biais. Est-ce que la CAF est au-dessus du dangoron du pays? La CAF, il est au-dessus du dangoron du pays. La CAF déjà au-dessus du dangoron du pays. Voilà ça, le dangoron dit que demain, là, tout est débloqué au Calama. Le dangoron dit que demain, là, tout est débloqué. Il n'y a rien. Ils ont vu que oh, c'est géré. Ils ont voulu voir en 48 heures, oh, l'atmosphère, comment, oh, l'atmosphère en comment, oh, d'abord. Quand ils ont vu que l'atmosphère est gérée, oh, on peut débloquer. On débloque les questions. Il n'y a rien, il y a foi. Il y a foi, c'est géré. On est trop chic. Excellent. Mettez le cœur. Il a dit, oh, déposez ça au créfère. Comment vous-même regardez le cœur là. Comment ça se fait que billet là, qui a pris billet là? Ils ont envoyé les billets là où? Ils ont envoyé les billets là où? Toi-même, faut voir. Ah, tiens. Ah, vous parlez. Est-ce que lui parle? Est-ce que lui discute? Est-ce que lui vous voit? Gérons d'abord les questions. On voit clair. Ils vont tchaba deux jours. Quand ils vont tchaba deux jours, on décante la situation au calme, au calama, au propre. On met ça au propre. On met ça au propre. Ah, vous aussi. Qui a pris? Biais là, qui a pris? Qui a pris les biais là? Qui a pris? Aïe. Ils ont les traces. Ils savent très bien que il y a des traces. Si les biais là sont électroniques, il y a des plaques, il y a des traces. Qui est venu regrouper les 100, les 200, les 300 biais là? Qui a? Il n'a pas écrit son nom là-bas et puis il a soulevé pour partir. Donc lui, il a soulevé 200, 300, il n'a pas écrit son nom et puis il a soulevé, c'est parti. Oh, pardonnez, doucement et nous là. Mettez le cœur, doucement et nous là. Ah, tchè. Aïe, aïe, donni. Oh, bras les trucs, que ça veut voir clair. Ça ne devait pas être B qu'il avait prévu 40 000 places. Merci.
Domilova, ah, je n'ai pas vu, mais en bon place pour les secteurs de jeu. Merci. Il a dit, il n'y a pas trop développé. Il n'y a pas trop développé. Oh, dormez tranquille. Dormez tranquille. Vous discutez. La madre, elle est bien, elle est bien, elle est bien, elle est bien. Je suis assis droit, je vous regarde. La madre, elle est bien. Il n'y a pas de bien. Il n'y a pas de bien. Il a dit, Et ils ne voient rien même. Ils ne voient rien. Ils sont en bouboule comme ça. Ils sont en bouboule. Ils sont bouboule. Ah, dans les vieux pères, ils voient clair. Oh. Ah, dans le vieux père, moi-même, je préfère ça de vie. Même que. Mesqui. Chalo Amani, moi-même je préfère stade vide que bousculade avec des gars. Ah, quelqu'un a mis des milliards dans son stade milliard. Laissez son pays zoo, vous voulez remplir pour tout gâter là-bas. Allez-y dans le village Cannes là. Allez-y dans Laguna Show. Allez-y dans Laguna Show. Allez-y dans Laguna Show. Ils ont mis Laguna Show où les artistes chantent et puis l'eau danse. L'eau danse là-bas, dinga, dinga. Allez-y là-bas. Laissez les stades. Allez-y. Vous n'avez pas vu qu'il y a beaucoup, beaucoup de trucs. Non, mais il y a trop d'esprit. Yo. Esprit mince. Développement de mice, il n'y a pas l'homme pour lui. Allez-y au Laguna Show là-bas. Tout ça, on a mis ça pour vous. Vous n'avez pas vu ça. Qu'on a un ticket. Vous avez fait quoi un ticket là? C'est vraiment drôle. Vous avez fait quoi un ticket là? Domilova, la madre était vraiment dans la révélation. C'était plus. Vous, mais quoi, vous demandez là? Ils ont trop la mémoire courte avec leur bousculade. Moi, quand je m'assois et puis je regarde là, il n'y a pas de ticket, il n'y a pas de ticket. Je suis assis et bien dit, ticket est rentré où? Quand il n'y a pas de ticket. S'il n'y a pas de ticket, les gens qui font la queue là, ouvrez, ils vont rentrer où pour remplir. On n'ouvre rien ici. Allez faire bousculer depuis de combien de mille? Qui va gérer tout ça là? Qui va gérer plus de combien de mille personnes au stade rempli bien comme ça? Qui va pouvoir gérer ça? Ils sont où les pompiers des pompiers? Ils sont où tout cela? Pardonnez, divisez-les en deux là-bas. D'autres n'ont qu'à rester au dehors. Ils vont écouter, ou bien n'ont qu'à aller au coin de. Au coin où on a mis les places. Les places, ils vont aller regarder. Si c'est pour payer crédit de la canne là, il y a là, il y a payer crédit là, donc aller dans les comment place village là, village, va aller s'asseoir pour regarder match là là-bas. Allez-y dans village là-bas, on a fait beaucoup de village canne là-bas. Allez-y vous asseoir. Vous asseoir, vous allez regarder les matchs. À cause de ça, il y a beaucoup de village canne comme ça. C'est pourquoi. Voilà stade qui est là. On peut pas rentrer, mais on peut aller au village stade, beaucoup de village stade. Canne comme ça dans tous les recoins, village canne inversé. C'est pourquoi. Ou bien, je vous demande, c'est pourquoi. Guillaume José, la madre, tu n'as pas tort. La madre n'a jamais tort. Village canne qui est rempli là-bas. Vous-même, vous envoyez vous demander à ça. Vous n'avez pas vu village Cannes? Mambé a gagné le tunnel. Tunisie 1. Non, tu. Ah, comment ça? Namibie a gagné comment?
Mais je suis devant là, là. Je regarde. Avec le live de la madre, Domilova, avec le live de la madre, j'ai compris le oui. Ah, d'accord. Moi, en fait, de bien là, moi, ici, assis, je vous regarde. En fait, de bien là, depuis mon arrivée sur le direct, là, je fais que rire la madre avec sa comédie. Tunisie a perdu. Mais j'étais là, j'étais devant. Tunisie a perdu. Yo, oui, 1-0, yo. Yo. Henriette Sylvie, très belle réflexion. Je n'y avais pas du tout pensé. Mais j'ai dit, oh, moi, je vais vous poser une question. On va aller dans la logique. Avant que la CAN ne commence là, on n'a pas dit Tenny Banani se trouvait à côté de nous là-bas. On n'a pas dit que Tenny Banani était à côté, que c'était chaud, la sécurité, oh, oh, oh. C'est pas ce qu'on disait. Donc à l'ouverture, là, il y a boing, il faut gérer le boing. Il faut gérer le boing. Donc pour gérer le boing, il faut la sécurité doit être mise. La sécurité. Donc si le stade est bé d'une manière, bé qu'en façon, oh, on ne peut pas trop voir clairement. On doit sécuriser les boyens, on doit les mettre boyens, vous voyez un peu, non? C'est stratégie. C'est réfléchir intelligemment. Oh. Donc en 48 heures, on doit voir clair. En 48 heures, on doit voir qu'est-ce qui se passe. En 48 heures, je dis les hélicos sont dressés comme ça. Il ne faut pas trop de monde regroupé dans les endroits. Oh. Suivez mon regard. Suivez mon regard. I see you, your regard. Affaire de bien là, je ne peux pas trop. Je ne peux pas trop comment. I see you, your regard. Donc la sécurité. Donc, on doit, s'il y a trop de bruit, le stade, rester, blé, doser, ticket là va se régler. Guilla, José, ils n'ont pas voulu de cafouillage à cause de. Donc, ticket là va se régler, mais pour l'heure, il fallait sécuriser. Pour l'heure, il fallait voir clair dans les débuts. Tickets là, ils vont trouver la solution de tickets. Ils vont sortir ça. Ils vont sortir les tickets. Au calamar, ticket va sortir. Mais avant que le début du commencement, le début du truc, on doit avoir clair. On doit, vous-même là, quand vous vous asseyez, vous allez voir la maison. Ticket là est passé où? Ticket, on dit c'est la CAF qui gère. La CAF, dans un pays, n'est pas au-dessus du Gourmacha. La CAF n'est pas au-dessus du Gourmacha. Je vous parle. C'est français. La CAF qui gère les tickets. La CAF qui gère les tickets. Mais n'est pas au-dessus de Tchefarma. Ça. Donc, ticket là. Ticket est là. Ticket va sortir. Vous discutez de quoi? Ticket va sortir. Ah. Ticket va sortir. Flor Aïba, je n'avais pas compris. Oui, tu ne peux pas comprendre. Allez-y à Laguna Show. Marie-là. Non, c'est. Marie-Line, ce n'est pas les papos, mais c'est. Ce n'est pas les papos, mais quand on analyse, on se dit quand même, pour un événement comme ça, pendant 2 jours, les tickets, on ne les trouve pas. Les tickets, on ne sait pas où c'est rentré. Les tickets, on parle de tickets, ce qui n'est pas logique. Oui, avec, c'est pas logique, c'est ça le vrai point. Ticket raté où? Entends ticket même là. C'est à la haute fait, à la haute standing. Ticket raté où? Qui a pris? Qui a pris le ticket? Où sont les tickets?
Qui a pris? Bah, dans la CAF, ils ont ticket là. C'est-à-dire que les gens ont payé ticket. Ils ont ticket. Et puis, ils s'en vont vendre à 20 000, 2 000, 20 000, 20 000, 20 000, voilà, 50 000. Et puis, ils ont ticket là. Karine Lefebvre, qui a ticket? Ah, c'est toi. Va donner un ticket des gens. Hein. Flo Aïba, c'est sorti maintenant. Voilà. 42 jours là. On a vu clair dans la sécurité. Maintenant, les tickets vont sortir. On veut voir clair. Aïe, l'ouverture. Tunisie a perdu, mon cher. Tunisie a perdu. C'est perdu, ils vont en faire. Hein? Donc, doucement. Hein? Ah, affaire de tickets là, doucement. Ils vont sortir les tickets. Les tickets, ça va aller. Un TikTok 2 dans laquelle on dit que. Il y a vu un TikTok. Moi, j'ai pas vu ton commentaire. Tu as dit quoi, oh? Tu as vu un TikTok. J'ai pas vu. Tu as vu un TikTok dans laquelle on dit quoi? Je n'ai pas vu ton commentaire, je voulais voir. Même le refus de l'accueil de nos voisins à Kourougou est fait à dessin. Ah, Domilova, ah, hé, hey, hey. Ah, tu as vu, non? Ah, ah. Clémentine dit quoi? Tu racontes un gros n'importe quoi. Il y a seul. Oh, mon frère, quitte là. Raconte gros n'importe quoi. Oh, pas n'importe quoi. Il n'y a pas eu ticket. L'ouverture. Il n'y a pas eu ticket. Il y a eu problème. Quoi, n'importe quoi. Circule là-bas. Toi qui connais la vérité là, tu attends quoi pour mettre ta caméra pour nous expliquer? Si moi je raconte du n'importe quoi là, toi qui connais la vérité là, mets ta caméra. Au lieu de commenter dans page de page là, tu mets ta caméra et puis tu nous expliques clair. Pourquoi il n'y a pas de ticket à aller là? C'est ça. Je reprends le boulot. Bon courage. Myriam Beroul, bon courage à toi aussi. Bisous. Toi qui connais la vérité là. Voisin malin qui venait à Gogo là comme supporter à Kourou. Ah, d'accord. Sinon, j'ai vu une vidéo aussi où il y a un malin qui se plaignait qu'ils n'ont pas eu par rapport. Oui, j'ai vu ça. J'ai vu ça aussi, quelque part, vite fait là-bas. Ah, j'ai vu ça. Ah, pour le moment, on veut voir clair. Hein? Ah, la sécurité est très importante. Hein? C'est vrai que les gens rentrent, les gens viennent pour fêter, les gens viennent pour s'amuser. Mais la priorité, le B.A.B.A., c'est la sécurité de toutes ces personnes réunies en Côte d'Ivoire. Oui, c'est la sécurité. Quand la CAN va bien se passer, c'est quand tout le monde va aller bien, tout le monde, ils vont rentrer chez vous. Vous avez échoué dans l'organisation, ferme là. Et c'est qui a réussi? Vous avez réussi dans vos organisations là. Toi, tu es qui? Clémentine, tu es quoi? Tu es camerounaise. Si on a échoué dans l'organisation, il faut te ramasser pour partir. On a échoué dans l'organisation. On t'a attrapé là-bas. J'ai fermé la parenthèse. L'organisation a échoué ou pas échoué. Mon cher, on a fait ça zo. Qu'on a échoué. On faisait concours avec vous. Vous qui avez réussi là, allez-y là-bas. Nous, on a échoué là, c'est ça. Allez-y. Nous, vous qui avez réussi là, allez-y. À cause des tickets. À cause de ça, vous êtes là. Tout ce que vous avez échoué. Vous avez échoué. Vous avez fait comme si. Vous avez fait comme ça. On s'en fout. On a échoué, on n'a pas échoué. On s'en fout. Le monde entier sait que c'est une canne bien réussie.
C'est une canne bien réussie. On ne pleure pas. Merci. Taxi, moto, plein. On ne pleure pas. Ah, on ne pleure pas. Oh. Ok, je voulais parler de la soeur là pour lui dire que c'est tellement risqué venant d'elle de se retrouver sur un territoire étranger et puis pouvoir faire ce genre de vidéos là pour se moquer d'un pays. C'est très très risqué. Oui, 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 c'est très risqué. Mettez les cœurs. Toi, tu mets les têtes de moi là. Je vais te récupérer, te bloquer, te bannir. Ça, c'est le vrai point. C'est ça le vrai point. Donc, la jeune dame là qui est arrivée en Côte d'Ivoire, qui allait filmer les ruelles d'Abidjan pour venir montrer ça sur les réseaux sociaux, tu fais vraiment une grosse erreur. Parce que fais très attention. Oui, fais très attention. L'Ivoirien qui est là, il aime bien taquin, il aime bien rigoler, mais il n'aime pas foutaise. Je ne sais pas si on te l'a dit. Je ne sais pas si on te l'a dit. L'Ivoirien n'aime pas foutaise. Oui, oui, oui. Est-ce que tu as commencé là? Tu es en train de dépasser les bornes et les limites. Oui, oui. Parce que je ne vois pas, je n'ai pas encore vu un Ivoirien atterrir au Cameroun, se retrouver dans les rues du Cameroun et puis commencer à filmer. Commencer à filmer, se permettre. Oui, oui. S'il y a un Ivoirien, s'il y a un Ivoirien, tu dis quoi? Tu sais ce que le sultan a filmé? Tu sais ce que le sultan a filmé? On l'a bien attaché. Tu l'as pas vu? Quand tu sais ce qu'on a filmé là, ou bien tu as écervelé dans ton cerveau là, il y avait des glaçons. Il y avait des glaçons. Tiesco qui est Tiesco là. Quand il a filmé là, tu n'as pas vu comment on l'a attaché ici? On l'a attaché ici. Si toi, tu n'es pas sage et que ta soeur se trouve en Côte d'Ivoire là-bas, puis elle joue à ce jeu, que les gens l'ont sri là-bas, tu vas payer le pot cassé. C'est des conseils qu'on entend de lui donner. Quand tu dis on ne pleure pas là, effectivement, ne pleurez pas aussi après. Oui, oui, oui. Ne pleurez pas aussi. Jouer à ce jeu pour dire on ne pleure pas. C'est elle qui va se retrouver dans des histoires. C'est elle qui va se retrouver dans des bêtises. On ne joue pas avec tout. On ne rigole pas avec tout. Jouer avec ses pieds, écrivez on ne pleure pas. C'est elle qui est sur le territoire. C'est elle qui est sur le territoire. C'est elle qui est sur le territoire pour dire on ne pleure pas. Vous allez vous adresser. Toi, tu viens écrire que c'est toi le serviteur. Vous, là-bas, poussière qui est versée, on dirait, on peut prendre un mouchoir pour nettoyer ses narines. Tous les poils de ses narines sont remplis de poussière. Toi, tu as venu t'arrêter ici pour parler de la Côte d'Ivoire. Tu sais à qui tu te compares? Tu sais à qui tu te compares? Que on ne pleure pas mouf. Ça lui donne le droit d'arriver en Côte d'Ivoire filmer. Ça lui donne le droit d'un grand événement comme ça où tout le monde est en train de regarder. C'est elle qui va venir s'asseoir pour vous, voilà, pour dire non que. Hein? Qui a filmé les endroits chics? Qui a filmé? Tu parles de quoi? Elle n'a pas filmé ces endroits-là. Elle n'a pas filmé ça. Avec vos lions poussiérés. Vos lions qui sont virtuels, on ne sait pas d'où ça sort. Lion photocopie, lion virtuel, lion qu'on ne peut pas attraper, lion qui est virtuel, puis il a plein de poussière qui descend pour dire que non, il y a trop de lions. Lionceau, bébé de lion. Elle sensibilise, conseille, éduque, motive et. Hein? Et si on s'écoutait, hein, frère, comment tu vas? Lionceau, bébé de lion, chaton, petit lion, miaou, miaou, co-lion. Ça, c'est lion. Ça, on appelle ça lion. Ah, merci. Et si on s'écoutait, merci, mon frère, merci beaucoup. Lion périmé, merci.
Toi aussi, voilà, tu es une voilà, personne qui motive, qui sensibilise et qui donne de bons conseils. Je t'encourage dans ce sens-là. Il faut continuer, c'est très important. Hein? Et à moi, Jackmani, Colion, ça c'est Jackmani. Merci, hein, frère, merci. C'est un Jackmani. Tu dis qu'on pleure. Nous, on ne veut pas pleurer. Parce que jusqu'à preuve du contraire, on dit que vous êtes nos frères. Nous sommes dans le titillement. Moi, je n'ai même pas envie de déborder les. Je n'ai même pas envie de déborder avec vous. Le Cameroun, je n'ai même pas envie de déborder. J'ai envie qu'on essaie. Voilà, qu'on s'écoute, qu'on se comprenne. Je n'ai même pas envie de déborder avec vous. C'est pour ça que je tire l'attention de la soeur qui est arrivée en Côte d'Ivoire, qui filme des endroits pour montrer, c'est-à-dire au monde entier, pour dire que son frère africain, où les gens nous traitent de n'importe quoi, c'est notre soeur africaine qui va filmer et qu'elle laisse ce travail-là aux Algériens, aux Maghrébins, de faire ce genre de travail. Mais ce n'est pas elle de faire ça. C'est pas elle de dire que voilà la Côte d'Ivoire comme si, la Côte d'Ivoire comme ça. C'est pas elle de le faire. Je suis désolée. Hein? Ok? Ce n'est pas elle. Parce que ce qu'elle est en train de faire là, ça peut avoir beaucoup d'impact si elle, si elle ne sait pas. Ah oui. L'Ivoirien, on l'appelle doux amer. On ne pleure pas. On ne pleure pas. Allez-y là-bas. Allez-y motiver votre président. Dites à votre président. Elle a le droit de filmer. Qu'elle aille filmer son pays là-bas d'abord. Qu'elle filme les endroits, les boribana de son pays là. Qu'elle mette ça devant là-bas son président, qui prennent les dispositifs pour pouvoir arranger son pays avant d'aller chez l'autre. On dit, regarde d'abord dans tes yeux, avant de regarder chez ton voisin. Chez toi, est sale, toi, tu parles pour les autres. Chez toi, ah, tu as vu que j'ai marqué un point, tu vomis. Chez toi, est sale, tu as balayé chez toi à la maison. Tu as nettoyé ta maison, l'odeur qui est chez toi là. Tu as parfumé ça. Tu as arrangé un peu. Donne de la clarté chez toi à la maison avant d'aller voir chez ton voisin, puis dis à ton voisin que c'est sale. Nettoie chez toi, balaie chez toi, mets chez toi propre. Mets des senteurs là-bas, ce n'est qu'à sentir bon. Quand chez toi sent bon là, tu peux dire à l'autre là-bas, pardon, faut parfumer chez toi là-bas. Mais chez toi est sale, pourriture, et toi tu vas chez ton voisin, puis tu t'en filmes. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. D'être digne de dire que tu es arrivé chez quelqu'un qui t'héberge, tu descends là-bas, et puis tu as le courage, le cran de filmer et montrer, et puis tu joues le gangamba. C'est parce que la Côte d'Ivoire, nous sommes éduqués. Que je sors ici, la ménopause te dérange. Comme toi-même, tu es femme et que tu ne vas pas, il faut prier Dieu même pour qu'un jour le cycle normal de ménopause là t'arrive. Parce que le jour même que ton cycle normal de ménopause ne va pas t'arriver là, c'est là que tu vas te rendre compte que tu es malade. Sinon, le cycle normal de ménopause, c'est tellement bien. Et puis ça, c'est ta mère qui a eu ça en premier. Donc toi-même, prie Dieu pour que Dieu même te donne ce cycle ménopausé là. Sinon, si tu n'as pas ça là, tu vas même demander même ce cycle-là. Sinon, toi-même, on va te mettre là-bas couché, malade. Tu t'en vas où? Chienne verte. Que je sors de là. Chienne verte. Les bouffées de chaleur de ta mère et de ta grand-mère. C'est ça qui fait que tu prends tes doigts possédés là pour venir voilà, commenter ici. Bouffer de chaleur de ta mère, va nettoyer, va prendre des serviettes, tu mets dans de l'eau, tu vas essuyer ta maman parce qu'actuellement ta maman transpire à grosses gouttes, ta grand-mère transpire à grosses gouttes. Donc va prendre la serviette, tu déposes la serviette dans le congélateur, tu glaces ça bien et puis tu t'en vas nettoyer les bouffées de chaleur qui dégoulinent sur le corps de ta mère et de ta grand-mère. Imbécile et heureuse, chiennasse, connasse de première classe,
de doubler de secondes. Va prendre. Même pas. Va prendre. Tu as piqué où ça fait mal de, ça fait mal à ta mère. C'est là-bas que tu as piqué. Tu as piqué la partie où ta mère a mal là. C'est là-bas que tu as piqué. Parce que quand tu es intelligent, que ton cerveau est rabougri là, que ton cerveau là-bas, la jouissance de ton père allait coaguler ton cerveau là. C'est là que tu dis ça. Sinon, une femme réfléchie, qui pense, une femme intelligente, qui a un cerveau dans sa tête, sait très bien que toi, en tant que femme, arrivé un moment, tu seras ménopausée, dure comme ça. Et ta mère me reposer, ta grand-mère, même tes enfants que tu as mis au monde, fille, elle sera me reposer. Donc toi-même que tu es en train d'écrire que tu es femme là, ménopause plus. Mais comme tu es bête et que tu n'es pas intelligente et que tu n'es pas arrivé à l'école et que ton cerveau s'est rétréci sur la route, tu ne peux pas comprendre ça. C'est dommage, ça fait pitié. Ça fait pitié. C'est ça qui est le problème. Oui, c'est ça. C'est comme si tu dis à un être humain que tu vas mourir. Comme si toi tu es épargné. C'est ça qui est le problème. Quelqu'un, une femme, avec grand F, traite une autre femme de monoposée. C'est que toi-même tu as un problème, tu as un souci. Tu as un gros problème. Je ne sais pas comment t'expliquer. Ou bien t'envoyer à réfléchir. A dit que toi-même, ton corps, que bientôt tu seras ménopausé, vieille, froissée, assis douantiquement, en plein milieu de ton salon, en train de bouffer tes petits-enfants en sorcellerie. Oui. Toi-même, tu seras la première au milieu de ton salon, en train de livrer tes petits-enfants, c'est-à-dire à tous tes voisins sorciers dans le quartier, pour commencer à bouffer tes arrière-petits-enfants. Tu seras assise en plein milieu, séché, devenu sec, une vieille aigrie, une vieille sèche, une vieille rombière, une vieille qu'on a déposée en plein milieu, qu'on a séché en vrai main sec, déposée pour qu'il ressemble à la sorcière Caraba assise là-bas, pour visage bizarre, qu'on lui demande elle vie sans quelqu'un même, tous ses enfants autour d'elle, tous ses enfants sont morts. Ah oui. Tous ses enfants sont morts. Tu parles de qui? Toi, tu parles de qui? Ta vie qui sera misérable, assis là, où tous tes enfants, petits-enfants, tu as tout bouffé ça, un à un, fini dans la maison, puis tu seras tous seul, misérable, assis au milieu, comme ça. Tu ne vois pas clair, tu ne vois rien, puis tu es assis au milieu, tu es de chier sur toi, diarrhée tous les jours. On continue. C'était pour toi un peu. Donc, la fille, la chouette là, la petite écervelée chouette qui s'est retrouvée en Côte d'Ivoire, elle, son visage du qui s'en va filmer la Côte d'Ivoire entière. Celle qui n'a jamais vu la terre, qui confond la poussière à la terre. Celle qui confond la poussière à la terre. Qui ne sait pas faire la différence. Vos histoires de challenge que vous avez commencé là, il faut que ça arrête sur les réseaux sociaux. C'est très important. Vos histoires de comparaison de pays là, il faut que ça s'arrête à certains blogueurs camerounais et à certains Ivoiriens que vous aimez attacher là. Moi, je remercie certains blogueurs, comme on appelle... Camerounais, ils sont pas tous. Il y a des blogueurs camerounais là qui sont vraiment formidables, qui mettent la Côte d'Ivoire en haut, qui considèrent les Ivoiriens, qui nous respectent. Quand je regarde les vidéos de ces blogueurs, de ces influenceurs qui se sont déplacés avec respect, qui s'expriment, qui motivent, vraiment je vous dis merci. Oui, vous faites la différence. Et ça, on doit l'applaudir. On doit l'acclamer. On ne va pas mettre tout le monde. Ce n'est pas parce que cette fille qui n'est pas intelligente, qui allait à l'école, ou bien qui allait vers l'école, qui ne réfléchit pas, qui s'est arrêtée quelque part, qui ne sait pas que dans tout le monde entier, il y a des endroits où il y a des quartiers qui ne sont pas développés.
Et elle est tellement surprise, étonnée de voir que on n'a pas dit qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas la terre. Stupide femme. Elle n'a rien à voir avec d'autres blogueurs. Elle n'a rien à voir avec d'autres blogueurs camerounais qui sont en train de valoriser la Côte d'Ivoire. Mes frères camerounais, je vous dis chapeau. Moi-même, je vous dis chapeau. C'est ça. Je vous dis chapeau. Oui, vous avez compris. Vous avez compris beaucoup de choses. Oui. J'entends que vous, moi, vous, votre TikTok là, moi, je ne suis pas là-bas. Quand quelqu'un veut me répondre, il met sa caméra sur Facebook et puis il me répond. TikTok là-bas, je ne suis pas là-bas. Je n'ai pas le temps de rester à faire vidéo 5 heures, 10 heures de temps. Je n'ai pas le temps de rester à faire 10 heures de temps sur TikTok. Je n'ai pas que ça à faire. Je fais une heure de vidéo, 1h30 maximum, ça me suffit. Des gens qui passent leur temps à dormir sur TikTok comme s'ils n'ont pas de vie, vont commencer le matin, vont finir le soir. Je n'ai pas le temps pour ça. Je n'ai pas le temps pour ça. Je ne m'attarde pas à ça. On me connaît. C'est même pas ça. Même aux États-Unis, Canada, l'Amérique latine, les quartiers, plein de. Même partout. Partout. Et ils sont surpris que ils sont dans les stades et puis on ne les supporte pas. Ils sont surpris. On ne les supporte pas. Ils sont là. C'est comme si vous êtes là, vous jalousez un pays. On vous a fait quoi? C'est nous, on a dit à votre président là-bas, je n'ai pas développé votre pays. C'est l'Ivoirien qui interdit le Cameroun d'être développé. Il y a un problème. Hein? On vous doit, on a pris votre crédit, on vous doit quoi? Et puis on paye pas. C'est une compétition. Vous êtes à l'Afrique, comme on appelle l'Afrique centrale. Nous, on est à l'Afrique de l'Ouest. Là. C'est quoi? Le temps, comment on va? Bonsoir. Vous êtes au bout là-bas, c'est quoi? C'est forcé? Vous allez faire, c'est nos dirigeants là qui vont nous séparer. Ce que vous avez commencé là, nos dirigeants là vont nous séparer. Si vous ne vous arrêtez pas là, je dis et je répète, ce que vous avez commencé là, c'est nos dirigeants là qui vont sortir pour nous séparer. C'est quoi ce comportement là? C'est quoi ça? C'est quoi ça? J'ai piqué où ça fait mal. Pour toi, ménopause, c'est piqué où, voilà, où ça, où, ça dit, toi, tu es là-bas, tu es assis, tu es une femme, et tu dis ménopause, et toi, tu es persuadé que tu as piqué où ça fait mal. Non, mais, mamie, tu es bête. Hein? Quelque chose que toi-même, tu vas avoir bientôt. Tu es bête, tu es stupide. Hein? Aïe! C'est comme si moi je suis assise là et je dis à quelqu'un qui me regarde là, tu vas vieillir, tu es vieille. En tant que c'est un processus normal que moi-même je ne vais pas louper. Si Dieu m'a donné longue vie là, je vais passer par là. Donc c'est quelque chose que je ne vais pas dire à mon camarade que tu vas vieillir. Ou bien dire à mon camarade que tu vas mourir. Des choses qui sont tellement logiques que moi-même je ne peux pas échapper. Je vais dire ça à quelqu'un. Je suis bête comment? Je suis stupide comment?
Je peux même pas me permettre. Dans mes injures, tu vas jamais entendre que tu es ménopausée, tu es vieille. Jamais. Je ne vais pas entendre ça parce que je sais que c'est logique. Je sais que c'est normal. Je sais que c'est ce qui est ça. Et puis je prends ça pour insulter quelqu'un. Quelque chose de la nature, ce qui est logique. Quelque chose de normal d'un corps humain. Je prends ça pour insulter quelqu'un. Ménopause est devenue un jus. Vieille est devenue un jus. Yeah, vous aussi. Yeah, 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 yeah. Ménopause, c'est un jus. Vieille, c'est un jus. Bébé, c'est un jus. Jeune, c'est un jus. Tu as mouru, c'est un jus. Yeah. Tu as mangé, c'est un jus. Des choses qui sont logiques. Les besoins physiologiques d'un être humain. Ça aussi, c'est devenu un jus. Besoin physiologique d'un être humain. Toi, tu apprends ça, tu dis, tu insultes quelqu'un, c'est tout un jus pour toi. En tout cas, Annick, l'horloge biologique est pour tout le monde. Je te dis, voilà, c'est un jus. Entends ta mère passer là-bas, ton grand-père passer là-bas. Tout le monde est passé là-bas. Toi-même, tu as passé. N'importe quoi. Donc, mamie, toi qui fais les vidéos là-bas dans le pays des gens, fais très attention. Parce que tu peux te retrouver dans une situation très délicate. Une situation très délicate. Je vais conclure. Vous qui êtes arrivé en Côte d'Ivoire, pour la CAN, apprenez à respecter le pays d'autrui. Apprenez à considérer les gens qui vous ont accueilli. Apprenez à considérer les gens qui prennent un bout de leur temps pour rigoler avec vous, pour vous mettre à l'aise. Ce n'est pas la peine de frustrer ces personnes-là. Ce n'est pas parce qu'ils sont accueillants que vous allez marcher sur leurs pieds ou même marcher sur leurs têtes. Quand tu pousses à bout l'Ivoirien va te montrer ta place. L'Ivoirien va te montrer ta place directement. Donc tu es arrivé en Côte d'Ivoire. Là. Tu es en train de filmer les endroits là. Il faut aller aussi filmer les endroits positifs. Toi qui as commencé à filmer les routes là, faut dire, prends le taxi, va visiter les autres endroits. Faut filmer là-bas aussi. Pour montrer aussi la différence. Ne t'arrête pas seulement sur le côté d'après toi c'est négatif. Parce que pour nous ce n'est pas négatif. C'est une ruelle qui n'est pas obligée d'être goudronnée. Si les grands axes sont déjà accessibles, si les grands axes nous permet de nous rentrer dans des ruelles du quartier. Le plus important là, il faut que les grands arbres soient goudronnés. Et au fur et à mesure, les ruelles peuvent être se goudronner. Donc tu ne vas pas nous permettre de nous imposer de la manière qu'on doit vivre. Ceux qui sont dans les jeux des Camerounais là, les Ivoiriens, vous êtes dans vos titillements là, vous êtes dans vos attaques là. Si vous ne vous arrêtez pas pour vous respecter, que ce soit l'Ivoirien, que ce soit le Camerounais, si vous ne vous arrêtez pas pour vous respecter et vous continuez dans les amusements de on se titille, on se titille, on se titille là, un jour ça va aller plus loin que ça. Et c'est là chacun de vous, que ce soit le Cameroun, que ce soit la Côte d'Ivoire, vous allez vous asseoir. Et puis vous allez être surpris, vous allez être étonné de où vos amusements là sont arrivés, de où vos plaisanteries là a dépassé les bornes et les limites. Faites très attention. Ça commence à ne plus plaire, ça ne commence à ne plus donner envie. Hein. Ça commence à ne plus donner envie. Joseph Samé, c'est pas mon fils là, c'est pas Joseph Samé. Maman Francine, prends mes bijoux. C'est pas Joseph Samé. Si c'est Joseph Samé, voilà Samé, il faut répondre. Mon fils blogueur camerounais là, je sais pas si c'est lui. Hein? C'est délicat. Le côté
Le côté Cameroun-Côte d'Ivoire, c'est délicat. C'est pas bon. C'est un mot, maman. Ah, sa mère, comment tu vas? Ça fait 2 jours, hein. Ça fait vraiment 2 jours. J'espère que tu vas bien. En tout cas, je te salue depuis ta position. Ça fait longtemps, hein. Joseph, sa mère, ça fait vraiment longtemps. Toi-même, regarde l'histoire de Côte d'Ivoire et au Cameroun. Ça fait, moi, ça me gêne même. Ça me gêne, ça me dérange. Ça me dérange au point que je ne sais même pas ce qu'est genre de plaisanterie. Aïcha Bamba, maman, je suis ta fille aussi. Oh, Aïcha Bamba, comment tu vas? Comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Je te claque le bisou. Affaire de Cameroun, Côte d'Ivoire, si je ne sais pas, mais j'ai un pincement négatif. Ça me fait mal comme ça. La Coupe d'Afrique qui va être intéressante, où la Côte d'Ivoire va soutenir le Cameroun, où le Cameroun va soutenir la Côte d'Ivoire, c'est devenu une histoire amère, où les Camerounais sont devenus bizarres, les Ivoiriens sont devenus bizarres, et puis c'est dans ça qu'ils profitent pour dire « on se titille, on se titille ». C'est quel genre de titillement ça? C'est quel genre de titillement ça? Vous ne trouvez pas que on doit arrêter là? Toi, tu insultes un ancien chef d'État. C'est qui un ancien chef d'État? Toi, tu insultes un ancien chef. C'est qui un ancien chef d'État? Faut préciser c'est qui. Aïcha Bama, c'est abusé. Oui, c'est abusé. Hein? C'est vraiment abusé. Moi, sincèrement, ça ne m'amuse plus. Hein? Je vous dis la vérité. Hein? Je vous dis la vérité. Hein? Moi, ça ne m'amuse plus. Ça m'amuse plus. Mm-hmm. Ça devient pas intéressant. Mm-hmm. Je n'aime pas. Je n'aime pas. Ahmed Serge Bamba, vous êtes à féliciter, madame. Merci. Non, je n'aime pas. Je n'aime plus. Sérieusement, la mère de cette autre vie. Non, je n'aime plus. Je n'aime plus. Voilà, surtout au stade hier, même si on doit soutenir la Guinée, même si on doit, supporter la Guinée. Mais l'atmosphère au stade hier, là, je n'ai pas aimé, je n'aime pas. Je n'aime pas. Franchement, je n'aime pas. Ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas. Votre titillement, là, il faut que... C'est titillement très hypocrite. C'est pas intéressant. C'est pas intéressant du tout, du tout. Ça devient trop vilain, Ça devient, non, c'est pas bon. Si vous ne vous en rendez pas compte, mais c'est dommage, mais c'est pas bon du tout. C'est pas bon. Il y a une atmosphère bizarre, une atmosphère lourde, une atmosphère qui n'est pas agréable, une atmosphère. Moi, je n'aime pas. Hein. Ça me dérange. Oui, prends tout au premier degré. Non, c'est... Moi, je ne sais pas. Miley Smith. C'est ça, la Smith. Ça devient de la... Non, moi, je n'aime pas. Vraiment, je n'aime pas. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais moi, je n'aime plus. Je n'aime plus le titillement, là. Je sens un manque de respect. Je sens une animosité. Je sens... un règlement de compte, je sens une vengeance, je sens comme si l'autre guette l'autre, non. Et quand les gens pensent vraiment, l'autre ne veut, l'autre ne souhaite même pas que l'autre gagne la CAN, l'autre aussi ne souhaite pas que l'autre gagne la CAN. On dit c'est dans l'amusement, on dit la vérité. Sinon, ce n'est pas intéressant.
Ce n'est pas intéressant. Moi, je ne sais pas. Ah, Aïcha Bamba. Et lui, elle n'est pas la seule. Lui et elle n'est pas la seule à faire ça. Ils sont pleins comme ça. Mais je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Non, faites pas ça. Faites pas ça. Je ne sais pas. Hein. Ils n'ont pas d'amour entre eux, Camerounais, après les multiples. Non, c'est pas ça. Non, mais arrivé un moment, vraiment, ça sera dommage. Hein. Vous êtes tenté de faire des blessures où chacun. Non, non, c'est pas bon. Moi, je trouve pas ça amusant. Hein. Moi, surtout quand j'ai vu le match, la Guinée avec. La Guinée avec le Cameroun, même si la Guinée c'est le pays frère et tout ça, mais s'il y avait vraiment de l'entente, s'il y avait vraiment de la sincérité, on allait voir au stade moitié-moitié. On allait voir des Ivoiriens qui supportent le Cameroun et d'autres qui supportent aussi la Guinée. Mais dans l'équipe qu'on a vue, le match d'hier, là, on avait vu vraiment beaucoup d'Ivoiriens devant la Guinée et puis ils ont laissé le Cameroun. Ils ont laissé le Cameroun. Regardez même. Lesquels? Parce qu'il y a un match tout à l'heure. Il y a le match du Mali. Ils ont laissé. Carrément même. C'est malsain. Il y a quelque chose qui n'est pas bon. Hein. Vous jouez ça, mais vraiment. Nous, les Ivoiriens, on doit laisser. Oui, je suis d'accord avec toi. Flor Aïba. Je suis d'accord, les Ivoiriens doivent les ignorer. Oui, laissez-les. Ils vont faire leur animation. On doit faire le. La CAN doit réussir. On doit se concentrer. Elise Dium. Oui, non, ce n'est pas un problème. Chacun supporte qui veut. Je suis d'accord. Je suis d'accord que voilà, chacun supporte qui veut. Mais il y a des Camerounais qui se sont sentis mal dans le fait qu'ils ont vu au stade qu'il y avait les Ivoiriens ne les ont même pas soutenus et qu'ils avaient mal soutenu vraiment. Donc, Ahmed Serge, merci. Merci beaucoup. Donc vraiment, pour conclure, je vais dire, c'est bien beau de s'amuser, c'est bien beau de rigoler, mais quand il y a le manque de respect qui existe, faisons très attention. Parce que nous sommes en train d'ouvrir des blessures internes sans même nous en rendre compte. Vous voyez, sur TikTok, il y a des injures. Les gens font des panels, ça s'insulte. Au lieu d'apaiser l'atmosphère, ça s'insulte. Ça fait ceci, ça fait cela. Entre vous, les Camerounais, vous vous insultez. Entre nous, les Ivoiriens, on s'insulte. Vous savez, Ivoiriens, Camerounais, on s'insulte. Entre à la CAN, c'est pas que le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Il y a d'autres nations. Mais on a l'impression que les deux peuples, là, ils sont là dans une situation où même demain, on va nous dire, mais vous deux là, vous n'allez même plus jouer. Vous n'allez même plus jouer. Et là, c'est quoi? Ça commence à être abusé. Abusé. Ils vont vous enlever dans des compétitions pour dire que vous exagérez. Vous exagérez. Quand vous arrivez quelque part, c'est du bruit. C'est du n'importe quoi. Prenons à nous respecter. Prenons à nous respecter. Vraiment, on va aller regarder le match du Mali. Courage à la Côte d'Ivoire. On est derrière les éléphants, on est derrière notre pays, la Côte d'Ivoire. Que la Côte d'Ivoire se porte bien. Qu'ils arrivent à enlever les billets là, les billets pour que les gens puissent avoir leurs billets pour pouvoir rentrer dans les stades pour aller supporter leur équipe. C'est important. Oui. Donc la CAN se passe en Côte d'Ivoire. Soyons soudés. Pour qu'ensemble, on puisse avancer, pour qu'ensemble, voilà, la Côte d'Ivoire puisse réaliser une belle CAN et puis la vie continue. Mettons-nous la main dans la main, faisons vraiment de telle sorte que nous ne sommes pas dispersés pour ne pas aller un peu partout. Voilà l'Afrique du Sud avec le Mali actuellement. Donc, actuellement, allez
Allez, le Mali, le Mali, le Mali, on est derrière vous. On est assis droit. Mali, Afrique du Sud. Voilà, ça va commencer. Je vous fais un gros bisou. Que Dieu vous bénisse en ensemble. Merci à vous tous. Merci à ceux qui étaient là. Merci à ceux qui ont partagé. Merci à ceux qui ont mis le cœur. Merci à ceux qui m'ont compris. Désolé pour tous ceux qui ne m'ont pas compris, mais c'est ça. C'est mon point de vue. Et apprenons à nous respecter. C'est le respect qui est très important. Flore Aïba, les Ivoiriens ne doivent plus entrer dans les futilités. Ils se concentrent sur notre beau pays. Là. Oui, oui, on doit être concentré. Sinon, on est dispersé. On parle de ce qui... Voilà, tu as raison. On doit être concentré. On doit motiver le pays. On doit motiver les éléphants. Ils sont en train de nous disperser. Et puis, on est concentré pour des conneries et les détails. Bisous. Ciao, ciao. On va regarder le match du Mali. C'est ça qui est le plus important. Je suis devant la télé, tranquille, tranquillement, tranquille. Tranquillement, tranquille. On va regarder le match là, au Calamar. Hey. Hey, comment ça tu oublies? Dubois, donc tu oublies le Cameroun, ma mère. Tu es notre mère, on t'aime ici. Mais je n'oublie pas le Cameroun. Aïe, tu n'as pas compris. Est-ce que c'est le Cameroun qui joue? J'ai dit, on n'est qu'à arrêter à se faire du mal. Je ne peux pas oublier le Cameroun. Ou bien le français que j'ai parlé là, tu n'as pas compris. Dubois, j'ai dit le Cameroun avec la Côte d'Ivoire. On n'est qu'à apprendre à se respecter. Sinon, on est en train de se faire du mal. Et ce que je suis en train de dire là. Ah, tu n'as pas compris. Ah, désolé. Non, non. J'ai dit, voilà ce qu'on est en train de faire. On est en train de se faire du mal. Le titillement, le manque de respect vice-versa des deux pays. On est en train de se blesser. On est en train de faire du mal. L'amour qu'on a pour chacun, là, c'est pas comme ça. Et puis, notre soeur qui s'est déplacée. Toi-même, tu n'as pas vu la vidéo où la soeur s'est déplacée pour arriver au... J'ai encore dit, voilà, j'allais filmer les parties qui ne sont pas bien pour montrer qu'elle laisse cette tâche-là aux Maghrébins qui font ça. Mais quand ça vient de nous-mêmes, la Côte d'Ivoire, nous-mêmes, nos personnes, nous-mêmes, la belle famille, ça fait mal. C'est pas à toi de montrer ton village avec la main gauche. C'est pas à toi de montrer la belle famille avec la main gauche. C'est toi-même qui dois être derrière la belle famille, soutenir la belle famille, lever la belle famille. Mais si ça vient de toi, que tu dis, ah là, ma belle famille, dans le monde entier, je trouve que c'est malsain. Je trouve que c'est malsain et ce n'est pas joli et ça frustre et ça fait mal. Donc on est ensemble. Et même ne faites pas que maintenant les Ivoiriens ou même le Cameroun, ils vont enlever ce mot. La Côte d'Ivoire et le Cameroun, c'est la même famille. Vous risquez de faire qu'on ne va plus utiliser ça parce qu'on commence à être blessé. Vous êtes blessé là-bas. Les Ivoiriens sont blessés. Le Cameroun est blessé. Et puis, on regarde. Ivoirien qui est là, son affaire de Côte d'Ivoire, son affaire de Cannes là, il prend ça au sérieux. Quand tu as le frustré, il va garder ça droit dans son cœur. Il est rancunier, il est assis là. Et puis, il te regarde. Allez, bisous, ciao, ciao. Merci, ciao.